retrouvons ici, devant ce spectacle, l'eau joue un rôle fondamental et l'océan est notre lieu de naissance. Tous les écosystèmes planétaires dépendent en grande partie des écosystèmes marins. Le vivant est menacé. Dès qu'on va l'agresser, le détruire, on s'auto-agresse. Ce qui est un peu stupide pour une espèce qui elle-même s'est appelée l'homme qui sait, l'homme sage, sapiens. Ce qui est extraordinaire, là, quand on voit les baleines, c'est tellement surprenant qu'on fait... On sent cette espèce de connexion-là avec l'océan. Ça touche droit au cœur. Comment se fait-il que la destruction de la planète ne soit pas reconnue comme un crime? Il faut agir non pas en consommateur, mais en tant que citoyen. On participe, on milite, et c'est comme ça qu'on peut changer la société. Nous savons aujourd'hui ce qui nous menace, ce qu'il faut faire. À partir du moment où on a l'océan en commun, on est responsable de ce qu'on fait de cet océan.